Cette tranquillité, euh, vous ne l'obtiendrez jamais, jamais par le contrôle. Jamais. C'est une confiance qui s'installe progressivement, où vous faites confiance. Et vous apprenez à faire confiance aux autres aussi. Parce que vous ne pouvez pas faire confiance aux autres si vous ne commencez pas d'abord par vous faire fondamentalement confiance. Sagesse, j'ai souvent parlé de cette expérience du, du, du sage qui initie un, un, un disciple et le disciple vient le voir en lui demandant de, de l'instruire à la méditation, puis il lui dit, bah, tu, voilà, tu vas sous l'arbre là-bas, puis tu vas méditer. Et puis euh, il, il commence à pratiquer, puis il vit des choses épouvantables et c'est horrible, et il vient voir le maître et lui dit, mais c'est horrible, c'est quoi cette méditation, je ne peux pas accepter ça, c'est vraiment épouvantable. Et, euh, et le maître rit, il lui dit, ça passera. Et puis il, dit, il retourne méditer. Et puis, donc il va retourner méditer. Et puis là, il vit des choses extraordinaires, il vit des choses très positives. Il découvre sensations de félicité. De... Et il revient voir le maître, ah oui, c'est génial, la méditation, c'est extraordinaire. Le maître, avec la même décontraction, ça passera aussi. <laughs> Pas d'attachement. Hein? et C'est pour ça que c'est important de rester libre justement. Si si vous voulez garder cette sérénité, cette tranquillité, la meilleure chose à faire, c'est justement de ne pas essayer de la contrôler. Laissez, laissez la venir. Vous vous passez. C'est inévitable. Oui, regardez. Je trouve que les, les les repères sont dans la nature, comme on le dit souvent, mais regardez, inspirez-vous de la nature. Moi, je trouve que c'est fantastique, la nature. Vous regardez le ciel, il toutes sortes de nuages qui passent, c'est changeant, ça se transforme. Ben, faites la comparaison avec votre esprit, c'est exactement la même chose. Le truc, c'est vraiment d'être à l'aise avec ce que vous ressentez. Ça vient avec la pratique et, et en vous faisant confiance. C'est pas moi qui l'ai dit, mais Chris disait bien redevenez comme des enfants. Et c'est tout, tout notre problème, c'est d'arriver à redevenir comme des enfants, de s'ouvrir à l'expérience, d'accepter de faire l'expérience. Et vous n'arrêtez pas de vous enrichir après. Et puis je crois que la meilleure façon d'être à l'aise aussi avec tout ça, avec tout ce que vous vivez, tout ce que vous expérimentez, c'est justement d'en faire l'expérience, c'est de se familiariser avec. Plus vous serez familier avec tout ça, avec tout ce que vous pouvez vivre, expérimenter. Vous voyez, souvent c'est aussi ça le propre de nos culture qui est très émotionnel. Pourquoi bon, On est très émotionnel parce que justement on essaie de contrôler nos émotions. Donc celle-là j'en veux, celle-là j'en veux pas, etc. On est sans, toujours en bagarre avec soi-même. Donc comment vous voulez trouver la paix C'est impossible. C'est pas possible. On est toujours en lutte contre soi parce qu'on veut et, alors qu'au contraire quand vous commencez à accepter justement tout cela, de plus vous bagarrer avec, eh bien, euh, ça vous affecte de moins en moins. Et ces, ces émotions qui vous paraissent négatives, finalement, quand vous vous familiarisez avec, eh bien, euh, ça vous affecte de moins en moins. Vous êtes de, de plus en plus à l'aise. La, comment dire Cette tranquillité, c'est euh, vous ne l'obtiendrez jamais, jamais par le contrôle. Jamais. C'est une confiance qui s'installe progressivement où vous faites confiance. Et vous apprenez à faire confiance aux autres aussi. Parce que vous ne pouvez pas faire confiance aux autres si vous ne commencez pas d'abord par vous faire fondamentalement confiance. Et c'est comme ça que vous commencez à établir des liens avec les autres. Et puis on le fait en conscience aussi. Parce que vous avez été blessé, vous avez vécu toutes sortes d'expériences douloureuses pour certains qui ont fait que vous en êtes là aujourd'hui. Et ça crée beaucoup de peur, ça fait, crée beaucoup de crainte, ça fait qu'on se protège, etc. Mais euh, là, vous revivez vos expériences, mais en pleine conscience. Vous, vous amenez de la conscience. Et C'est vous, 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 quoi la conscience C'est tout simplement. c'est Vous allumez la lumière et vous dites maintenant, je vois ce qui s'est passé. Je comprends mieux ce qui s'est passé. Et donc vous tirez bénéfice de votre passé. Votre passé, encore une fois, rappelez-vous cette phrase du Dalai Lama, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel et une mauvaise lecture de la carte du ciel. Et pourtant, bon, Dieu sait ici si parfois certaines expériences euh, cuisantes qu'on peut avoir vécues, je sais que certains, vous avez traversé des choses pas très, très heureuses, mais si vous voulez vraiment vous en libérer, il n'y a pas d'autre manière. Justement que de se réconcilier avec soi-même, et justement d'apprendre à accepter son passé, tel qu'il a été, et non pas tel que vous le voyez, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il y a toujours une différence fondamentale entre la perception que vous avez de votre passé et de ce qui s'est réellement passé. Et ça, vous ne le saurez sans doute jamais, mais c'est dans l'acceptation que vous arriverez à vous libérer. Et c'est comme ça que j'y suis arrivé. Et c'est il n'y a pas d'autre voie. Si vous voulez vraiment être en paix avec vous, être heureux et pouvoir le partager avec les autres. Et justement, s'aimer soi même, c'est devenir un ami pour soi, de commencer à avoir justement cette bienveillance. Et vous pouvez le pratiquer justement à travers l'autre, c'est l'expérience que je vous ai proposée de, de faire, et certains vous l'avez très bien vécu. Vous avez un cadre particulier, idéal. Personne n'est là pour euh, vous faire du tort. Personne n'est là pour vous blesser. Personne n'est là pour euh, vous juger. Donc c'est les conditions idéales pour euh, justement euh, vous libérer de tas chose, de choses. Débarrassez-vous de, de tout ça et arrêtez de vous encombrer avec tout ce fatras et faites-vous des cadeaux. Demandez-vous encore une fois, qu'est-ce que vous êtes venu chercher Est-ce que vous allez vous l'accorder enfin Et il y a une chose aussi qui est importante, je pense, que vous devez garder à l'esprit, c'est que personne, à part vous-même, ne peut être responsable de votre bonheur. Ça ne peut pas venir de moi, ça ne peut pas venir de l'autre, ça ne peut pas venir des autres. Parce que c'est en votre esprit que ça se crée. Si vous cultivez la haine, la colère, le mépris, je parle de cultiver, pas de ressentir, ça c'est autre chose. Vous pouvez ressentir des émotions. C'est normal que vous éprouviez des sentiments négatifs. Les nourrir, c'est encore autre chose. Et comme je l'ai dit tout ce matin, c'est facile de suivre la colère. C'est facile de, de, de suivre le, le mépris, le, le dépit. C'est très facile. C'est pour ça que Dalai Lama disait euh, entretenir le. Le, le positif, c'est aussi difficile que de monter une lourde pierre au sommet de la montagne et se laisser aller à la négativité. C'est aussi facile que de laisser rouler cette pierre vers le bas. Maintenant, à vous de savoir quel chemin vous allez suivre. Ça demande bien sûr de la persévérance, de la patience, de la pratique, répéter encore et encore. Parfois on a de très bonnes raisons de douter dans, dans certaines conditions adverses, mais garder le cap.